circuit Homme-Fort est une présentation de Discount, XPN et des équipements d'entraînement SBD. In my mind, it's going to be the biggest national championships ever in the history of Canada. We've got people that are going to be breaking records today. We're going to be people that are pushing limits today. We've got athletes that are competing in the national championships. It will be their 12th time. And we've got athletes that are going to be competing for the very first time. This is going to go down in history, I guarantee it. And you're very lucky to be watching this. Et Plantagenet en Ontario, RDS vous présente la suite du championnat canadien du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, notre historien Paul Hull. Salut, mon Paul. Bonjour, Martin. Une course à quatre. On est rendu avec Caron et Maxime Boudreau à égalité, mais Jimmy Paquette et Carl Hjelholt sont là. Ce qu'on ne sait pas, comment tout ça va finir, il paraît que ça va être très lourd pour la deuxième journée. C'est Jean-François Caron qui l'a dit. On aperçoit nos deux arbitres, Ben Rockstall et Yannick Normandin, de même que notre statisticienne. Après quatre épreuves, c'est Maxime Boudreau et Caron qui sont nés à nez, suivis de Jimmy Paquette, Hjelholt, Shepherd, Loach. Et Nicolas English, lui, occupe le septième rang. Eric Rautenberg, Arthur Wallace, Patrick Moore, Guillaume Laflamme, David Nollet, Graham Connors et Andrew Jennings, maintenant retirés de la compétition qui fermait la marche. Moi, Jean-François Caron, c'est ma égalité avec 51 points. Qui est le champion national, ça fait 6 ans de suite. Nous sommes à la moitié de la compétition, il nous reste 4 autres épreuves. Et puis, je vais tout donner pour essayer qu'il ne sera pas capable de gagner le record de 7 championnats nationaux. Le pointage est quand même serré. Je pense que Maxime sait, par exemple, c'est quoi qui s'en vient. On a 2 de ses moins bonnes épreuves. Au programme Deadlift Yo, ça va sûrement coûter cher. Mais je prévois vraiment une excellente bataille pour le podium. On a Carl Hjelholt qui est revenu de l'arrière, a commencé avec sa pire épreuve de la compétition, qui était le log lift. A gagné beaucoup de points. S'est rapproché de Jimmy Paquette, que Jimmy a fait une erreur au truc pot. Perdu beaucoup de points, ça s'est beaucoup resserré. Je pense que la deuxième, la troisième place, ça va se battre jusqu'à la dernière épreuve au medley. Ça va être très intéressant à voir. Salut, c'est moi qui va gagner sur le vide de l'auto aujourd'hui. Non, c'est moi qui va gagner sur le vide de l'auto. C'est moi qui va gagner l'épreuve. Je suis l'homme le plus fort au Québec et vous écoutez les hommes forts sur RDS. Restez là! Oui, messieurs, on va rester là. On va enchaîner avec le soulevé de la voiture. Et là, c'est tout un soulevé. 1002 livres mesurés à la pesée électronique. Wow! Voilà, regardez exactement 1000... à l'écran, 1002 livres. Ouf! C'est de la charge. Et ça, je pense que c'est le plus lourd, hein? Le plus lourd de toute l'histoire. Oui, absolument, le plus lourd de l'histoire. On jouait habituellement dans les 900 livres, Martin, un petit peu plus. Alors, c'est parti. C'est sûr que c'est une épreuve qui demande énormément de force au niveau du bas du dos. Tout le monde est dans l'inconnu, hein? Il y en a qui ont probablement, qui toucheront, qui lèveront pas la charge. Écoutez, là, bon, il fallait le dire. Ah, Guillaume Laflamme! Ça bouge, en tout cas, du côté de Guillaume Laflamme, qui est très bas. Polygone d'appui qui est très bas, centre de gravité très bas. Il y a déjà deux répétitions de fait. Wallace qui éprouve de sérieuses difficultés. Mais ne nous étonnons pas s'il y en a qui ne lèveront pas. C'est pas parce qu'ils sont pas forts, c'est parce que c'est extrêmement lourd. Tout à fait. Aucune répétition pour Wallace, alors c'est une première journée très difficile pour M. Wallace qui nous vient de la région de Fort McMurray en Alberta. C'est un réveil abrupt, comme on dit. Tout à fait. Et là, écoute, mais impressionnant, Guillaume Laflamme, très impressionnant. Et est impressionnant. Il nous avait d'ailleurs déjà envoyé quelques bons messages dans les compétitions précédentes. Toujours aussi intéressant de voir que les hommes forts du Québec, à mon sens, demeurent les plus forts du Canada, sans parti pris. On constate par les faits. Par les faits, exactement. Dans les compétitions d'hommes forts, on est très, très bon ici au Québec. Et ça y va de toute façon. Cette répétition, c'est énorme. Très, très bon. Très, très bon. On sait tous que c'est la première fois dans l'histoire du Canada au soulevé de la voiture qu'on a mis 1000 livres sur les manches. Bien, tu viens nous montrer 7 répétitions. Wow! Est-ce que vous êtes satisfait, mon chum? Oui.
très satisfait. C'est très pesant. J'ai hâte de voir ce que les autres gars vont faire. Mais je vous avertis, c'est très pesant. On est averti, alors on voit David Nollet. Il semble vraiment exténué. David Nollet qui va se mesurer à Jimmy Paquette, qui lui se doit de bien performer. Absolument. Jimmy Paquette n'a plus de marge. S'il veut préserver sa deuxième place qu'il a acquise l'an dernier, en 2016, c'est sa journée. Il n'y a pas le choix. Et c'est parti. Ah ben, je pense que là, Jimmy, par contre, voilà. Il est dans sa bulle. Il est dans une épreuve qu'il maîtrise bien. Une épreuve, d'ailleurs, pour laquelle il suit les traces de son mentor, Jean-François Carr. Tout à fait. On voit Nollet en bon sportif, bon compétiteur, aider Paquette. C'est tout à l'honneur des organisateurs du championnat canadien d'avoir une épreuve comme celle-là, parce que c'est plus lourd qu'au World Strongest Men, qui n'ont jamais atteint encore les 1000 livres dans cette épreuve. 7 répétitions déjà pour Paquette, 8 fois. Oh! Est-ce qu'il peut en faire une autre? S'il commence, il va la terminer, non? Attendons de voir. Il en a 8. Il en a 8 assurés. Croyez-moi, et ça fait mal. Oh! C'est inimaginable. Wow. Cœur de Lyon vient de prouver à nouveau qu'il est tout un compétiteur. 9 répétitions. Très, très lourd. Quelle performance. On va écouter Jimmy Paquette, ce qu'il a à nous raconter. C'est où tu vas chercher cette énergie-là? Ben, ben, ben loin en dedans de moi, Mike, mais certainement la foule. Merci. Puis. Aussi. Le fait de passer après Guillaume, qui est excellent à cette épreuve-là, même que des fois il m'a déjà battu, ça m'a donné un surplus de. Hey, Jimmy, je vais te poser une autre question. Jimmy, là, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Le fait de monter de troisième à deuxième, ça donne-tu un peu de motivation? L'année passée, j'ai fini deuxième. J'aime vraiment pas ce que je vois sur ce tableau-là en ce moment. Fait que ça va changer. On va te donner une chance de te reposer, mon cher Jimmy. On revient tout de suite après avec d'autres soulevés de la voiture. C'est Jimmy Paquette, David Nollet. My name is Andrew Jennings. My name is James Loach. Brad Shepard. I'm Grant Connors. Mon nom est Nick English. Hi, Drake Moore. My name is Carl Yeoholt. Maxime Boudreau. C'est Jean-François Caron. My name is Arda Wallace. My name is Eric Rodenberg. C'est Guillaume Laflamme. Et vous regardez le circuit homme fort. Strongman Circuit. Vous regardez les hommes forts à RDS. 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 On RDS. RDS. Sur RDS. Restez là. On poursuit avec le soulevé de la voiture. Nicolas English qui... Oh! Ça a fait effet. En tout cas, laissez-moi vous dire, Nicolas English qui se mesurera à Patrick Moore. On espère que ça va se transposer dans les levées, Martin. Absolument. Hein? Ouf, et là, on se bat énormément. Pour non, non. Là... Quand tu es à ton premier levé et ça bouge pas, il y a deux choses qui s'installent dans ta tête. Le découragement et la panique. Je pense que ceux qui mettaient en doute la charge viennent de réaliser qu'il n'y a aucun doute, on est dans les 1000 livres. On est dans une classe supérieure et dans le cas des épreuves au Canada, on est dans une classe tout à fait nouvelle puisqu'on vient de franchir une barre importante. Alors, c'est sûr que ce circuit-là d'homme fort est très prestigieux au Canada. C'est tout ça échappauté par M. Mike Saunders depuis plusieurs années, depuis 3 ans déjà. On l'a vu interviewer les gars là-bas. Aucune répétition pour notre ami Patrick Moore. Ouais. Mais English refuse, lui. Non, non, je pense qu'il a abdiqué. Et aussi toute l'organisation de M. Jean-Alain Lapensier qui ont fait un travail énorme et magistral, toute son équipe. Bravo encore une fois pour avoir tenu un championnat aussi prestigieux et si bien organisé. Carl Yeoholt, Martin, qui, lui, quatrième l'an dernier, va maintenant jouer très fort. Et pourquoi? Parce que en 4 participations aux Canadiens, ce serait la première fois qu'il monterait sur le podium. Et ça, c'est son objectif de l'année. Yeoholt qui vient d'en réussir 2. Il en a 2. Oh, 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 James Loach qui dit non, merci, moi j'en ai assez. Et ça montre à quel point pour Yeoholt,
sa victoire aux pierres était importante. En ayant remporté les pierres d'Atlas et ses 14 points, là, les deux soulevés qu'il vient de faire à la charge très lourde vont quand même lui permettre de continuer la course. Et lui donner beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui vont avoir zéro. Zéro, exactement. Et ça, ça partage les points avec ceux qui ont réussi à soulever la charge. Brad Shepherd. Écoute, il a le physique de l'emploi. C'est pas un gars qui est très grand, mais non. C'est un gars qui est très massif. 5 et 11 à 335 livres. Normalement, il devrait faire un bon, une bonne performance. Mais là, c'est Maxime Boudreau qui joue ses cartes. Maxime Boudreau, très fort en haut du corps, bas du corps. Et... Ben voilà. Je sais pas si Jean-François Caron, ce qu'il a dit, était prophétique. Mais quand il a dit demain, en parlant d'aujourd'hui, ça va être très lourd. Je pense que Maxime Boudreau vient de réaliser que c'est même très lourd ou peut-être trop lourd. Pas juste Maxime Boudreau, Brad Shepherd aussi s'en rend compte. Brad Shepherd également. Et que c'est difficile. Oh! Boudreau vient de perdre une tonne de points. Et là, ça va lui faire très mal. Plus d'une dizaine de points sont perdus par Maxime Boudreau. Pour Jean-François Caron, c'est l'équivalent d'une épreuve complète qu'il vient de gagner. En fait, il pourrait ne pas participer. Et est-ce qu'on peut se permettre de donner autant de points à Caron? Jamais. Si jamais Caron... fini en tête. On peut l'imaginer parce que c'est son épreuve de prédilection. Ouf. Caron qui est prêt. Et voilà, justement. Il est prêt. Il est très fort. C'est son épreuve fétiche. Un. Deux. C'est Caron, incroyable. Il est parti. Ça doit être décourageant pour Rottenberg de voir Caron évidemment. Si facilement lever la voiture. Écoute, il est 340 livres, Rottenberg. Jean-François Caron est peut-être presque à son plus lourd, à 335. Mais ça n'a aucun bon sens, c'est une machine. Non, Rottenberg qui abdique, c'est terminé pour lui. Caron qui trouve ça drôle. Jean-François, il envoie le message au fur et à mesure. Et Caron, facilement, ben tiens, il en a fait 10. Et Rottenberg est complètement découragé de voir ça. Il en rit. C'est incroyable. 10 répétitions, il n'en a fait aucune. Quand on parle de dominer psychologiquement, c'est exactement ça. C'est-tu un message que tu lances aux autres athlètes pour aujourd'hui? Je savais que cette épreuve-là allait être facile pour moi. Aujourd'hui, les épreuves beaucoup plus lourdes qu'hier. Fait que ça va être une autre histoire. Bien, félicitations, mon champ, et bonne chance pour le reste de la journée, buddy. Merci, tout le monde. Thank you. Le tableau soulevé de la voiture, c'est Caron qui l'emporte. Nette domination suivie de Paquette, la femme est troisième, Yellow. English, Jennings et une tonne de compétiteurs n'ont réussi aucun levé. I'm Western Canada's strongest man. Je suis le champion de l'Ouest. Et moi, je suis le champion de l'Est, nous dit Grant Connors. Mais Carl Yellowhold vous dit, les gars, tassez-vous, je vais vous battre tous les deux et restez avec nous. On revient tout de suite après la pause. RDS. Donc moi, mes meilleures épreuves en fin de semaine, ça va être le Super Yoke. Je suis excellent à cette épreuve-là. C'est sûr, je vais tout donner à chaque épreuve, faire le meilleur de moi-même. Puis je veux évidemment là, me classer à un bon niveau. La sixième épreuve de ce championnat national, le transport du jour. 900 livres sur les épaules et on doit prendre une petite promenade dans le parc avec ça, alors ça sera vraiment pas facile pour tous les compétiteurs, c'est certain. Une distance, Martin, de 100 pieds, c'est-à-dire 50 pieds vers le côté, 50 pieds de retour, c'est quelque chose. Je l'ai déjà dit dans un championnat précédent, le pire de cette épreuve, c'est lorsque tu dois déposer la charge, te tourner et revenir avec la charge. Eh bien, c'est ce qu'ils vont devoir faire. Alors, Shepherd est très bien parti. Brad Shepherd, c'est stable, ça semble bon. Il contrôle bien la charge. Oh, mais James Loach a beaucoup de difficultés. Il ne faudra pas surprendre, Martin, d'avoir plusieurs qui vont devoir s'y prendre à plusieurs reprises et qui probablement ne finiront pas sur la distance. Et ça, il faut le dire. Ils ont le droit de laisser tomber l'appareil. Oui, autant de fois qu'ils le veulent. Chose avec quoi je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est encore là personnel. De toute façon, nous, on est ici, assis, tranquille. Ouais, nous, ça, on n'a pas le problème. On peut chialer, ça fait pas mal. On pourrait dire qu'on l'a vu au complet sans avoir à se fatiguer. Ah, voilà. James Loach qui a abdiqué complètement. Ça ne trompe pas une grosse distance pour Loach. C'est complètement passé. Bravo! Ouais, et là, on va avoir un temps intéressant, 47-66 pour Brad Shepherd. James Loach, lui, c'est pas un temps, mais bien une distance, 1 mètre. 1 mètre 84. Ça, c'est moins bon, c'est certain.
Arthur Wallace. Se mesurera à David Nollet. Arthur Wallace, 2,85. Ça va être lourd, lui aussi. Ça va être lourd. Et c'est une épreuve, bien entendu, qui demande énormément de force des stabilisateurs de la colonne vertébrale. Ça met énormément de pression sur les genoux. Les compétiteurs ont trois fois leur poids corporel. C'est incroyable. Ouais, sur les épaules, on imagine... Quand on s'arrête à y penser, Martin, ouais. Tu le sais, la pression sur la colonne, au niveau de la... Les stabilisateurs, la colonne vertébrale. Lorsque tu lèves une jambe, mais c'est, le poids se transpose sur cette jambe. C'est très, très lourd. C'est énormément de pression sur les articulations. Les articulations, les hanches notamment. Oh. Le synchro des pas, et voilà, à chaque fois. David Nollet, intéressant. Intéressant. Il continue, Nollet. Il continue. Ça va très bien. Il garde cette énergie malgré tout. Il laisse tomber, mais se reprend. Je pense qu'il veut absolument terminer la charge. Oups, c'est pas terminé encore. Normandin, l'arbitre qui surveille. Et voilà, oui! L'homme fort de Trois-Rivières qui vient de franchir la ligne. On va lui donner un temps, Nollet. Ça, c'est intéressant pour notre Québécois Arthur Wallace qui... Je pense qu'il devra se contenter d'une distance. Tellement difficile. 24,69 mètres. On se rappellera qu'une compétition précédente, ils avaient 800. C'est carrément 100 livres de plus. Hein? On s'entend là. On n'est pas loin d'avoir 12 % de plus sur les épaules d'un coup. Sur le coup. Voilà. 58,72 secondes pour David Nollet. Alors, bravo. Très belle performance. Et voilà, on donne le high five à tout ce qui bouge dans la salle. Bravo. Ce que je trouve intéressant, Martin, c'est on note chez les spectateurs et les spectatrices beaucoup de gens du troisième âge. Tout à fait. Donc, ça suscite un énorme intérêt quand on dit que c'est un sport extrême, mais c'est également un sport très populaire. Et en effet, alors Maxime Boudreau, gauche de l'écran, Rothenberg à droite. Maxime Boudreau va jouer la compétition maintenant. Et c'est son épreuve maudite, c'est sa pire épreuve. C'est l'épreuve maudite, en effet. Pour Boudreau. Et là, ça va lui coûter très cher. Et on voit dans son visage, Boudreau, la panique qui s'installe, cette déception. Et là, quand tu sais que c'est pas ton épreuve et que tu dois performer... Au soulevé de la voiture, déjà, il avait concédé une douzaine de points. Tout à fait. Et maintenant, s'il n'arrive pas à s'inscrire quelque part dans le milieu du peloton, la compétition va être presque... Enfin, le podium, pour parler de la compétition. Et on a vu le visage de Boudreau il y a quelques instants, la déception, la frustration. Non. 8 mètres 26, c'est catastrophique pour Boudreau. Et le temps, très bon. Hein? Rothenberg, on l'a comme oublié, 40-43. Excellente performance. Le yoke de distance 100 pieds avec 900 livres, ça n'a vraiment pas bien été. Explique-nous qu'est-ce qui t'est arrivé. Ben, je ne me suis pas pogné à la bonne place pour de ce monde-là, et puis ça me glissait. Et puis ça m'a eu, je fais mal, puis... D'habitude, j'ai pas façon de juste lâcher de même, mais ça faisait trop mal. New leader in the 900-pound transportation of the yoke. Nouveau meneur avec 900 livres sur les épaules. Between like fourth position and ninth position. So, is this some sort of message that you're sending out to the other athletes? Alors, il demande s'il lance un message. C'est pas vraiment un message. C'est une de mes meilleures épreuves. Alors, il tente de faire le mieux lorsque c'est sa meilleure épreuve et aussi de bien faire dans ses moins bonnes épreuves. Rothenberg, qui peut très bien faire au lancer du baril, a très bien fait au pierre et vient de très bien faire au yoke. Et c'est un bonhomme dont on ne parle pas assez souvent. Voilà. Et moi, je dis chapeau à Rothenberg. Guillaume Laflamme, Carl Yelholt, qui a la force au niveau des hanches du bassin Yelholt. Et Yelholt se confronte à un très bon transporteur de yoke en la personne de Guillaume Laflamme. Oui. Yelholt va donc, s'il réussit à faire un bon temps, va prendre une option sur le podium. Tout à fait. Et Guillaume Laflamme, on sait qu'il est très bon, tu l'as mentionné. Yelholt qui a bien fait la transition entre l'aller et le retour. C'est la même chose pour Laflamme. Il entreprend le retour à la maison pour les deux. Et ça va être. Si Yelholt tient, ça va être un très bon temps. Oh, on n'a pas terminé! Oh! Ça lui a coûté 3 secondes. Wow! 39,74, très bon. Très, très bon. Il vient de prendre la tête. À quelques dixièmes de Rothenberg. Tout à fait. Alors ça, c'est des points importants pour Carl Yelholt. Guillaume Laflamme, 50-98, c'est pas non plus mauvais comme performance. Looking at the scoreboard, you're 2 points away from Maxime Boudreau, so that's going to put you ahead of him. How do you feel Alors, right now? On lui demande comment il se sent. Il se sent bien, mais...
Alors, il dit, je viens de mentir parce que là, on se sent très mal après avoir transporté une charge de 900 livres sur ses épaules. Alors, il reste encore deux épreuves. Je suis complètement vidé, mais il reste dans 20 minutes, je vais être prêt pour continuer la compétition. Paquette, qui va bien jusqu'à maintenant, a été chercher de précieux points dans cette deuxième journée de compétition, se mesurera à son ami, compétiteur et mentor, Jean-François Caron. Et ça, on comprend bien sûr que c'est le premier contre le deuxième présentement au classement. Je pense que la pression est un petit peu moindre étant donné la contre-performance de Maxime Boudreau, mais Carl Hjelholt est loin d'être sorti de la compétition. Oh, erreur de Paquette ici. On peut. Et Normandin, bravo encore une fois pour Yannick Normandin. Aucune tolérance. Que tu t'appelles Jimmy Paquette ou que tu es un chapeau à l'arbitre. Hein? Voilà. Chapeau à Yannick Normandin qu'on salue parce que véritablement extrêmement constant dans ses décisions d'arbitrage. Tout à fait. Et on sait à quel point c'est difficile. Oh, Jimmy encore une fois. Pontant, ça le place. Même en avant de Hjelholt, il vient chercher de précieux points ici. Là. Je pense que Jimmy Paquette a compris peut-être que la première place n'est plus à l'enjeu. Mais là, maintenant, c'est la défense de sa seconde place. Dis-nous comment tu sens en ce moment. Je suis très, 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 très content. Comme tu as dit, Mike, j'ai fait une petite erreur. En revenant, j'avais pas le choix de courir. Je me suis dit, let's go, c'est tout ou rien. Puis ça a fonctionné. À cette épreuve-là, je voulais juste faire une run safe. Tout ce que j'espérais, c'est que Jimmy fasse pas d'erreur. Soit capable de rentrer avec le deuxième temps. J'ai hâte de voir pour la suite. Mais j'aimerais bien ça avoir une épreuve d'avance avant le medley à la fin. On sait jamais, peut-être arriver un accident ou quelque chose. J'aime mieux pas laisser de points filer. Le tableau au transport du jour, c'est Caron qui l'emporte assez facilement sur Paquette qui est deuxième. Hjelholt, Rothenberg, Shepherd et Guillaume Laflamme, lui, terminent au sixième rang. Stay tuned, we'll be back with more Strongmen on RDS. Strongmen, Strongmen. Nous, on revient tout de suite après la pause. Restez avec nous. Une très belle foule pour ce championnat canadien et un homme fort en devenir. Après six épreuves, Caron s'installe confortablement en avance, suivi de Paquette, Hjelholt, Boudreau, Shepherd, Laflamme et Rothenberg occupent le septième rang. En huitième place, Nicolas English, James Loach, Arthur Wallace, Patrick Moore, David Nolet, Grant Connors et Andrew Jennings, qui n'est plus de la compétition, retiré pour blessure. C'est Jean-François Caron, champion canadien des hommes forts. À la prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Restez là. Le circuit hommes forts était une présentation de Discount, XPN et des équipements d'entraînement SPT. Vous voulez en connaître davantage sur le circuit hommes forts? Venez nous voir sur Facebook. Paul, maintenant, la course se fait pour une place sur le podium entre la deuxième et la troisième place. Absolument. Jean-François Caron a pratiquement assuré sa première place. C'est d'éviter les erreurs maintenant. Au nom de Paul Hall et Martin Gauthier, on souhaite vous revoir la semaine prochaine pour la finale du championnat canadien 2017. Soyez-y!